Oh non, les amis, j'espère qu'elle va me retrouver. Attendez, mais pourquoi on m'a mis ça dans ma poche? Qu'est-ce que c'est que ce... Ok, non mais... Oh non, mais je suis encore attaché. Oh non, mais attendez, je vois Miss Darkito. Elle va venir me sauver, vous croyez? Oh non, attendez, on va regarder ça, si elle va venir me sauver. Darkito? C'est trop bizarre, depuis ce matin, je le trouve pas. Je sais pas où est-ce qu'il est passé. Il s'est même pas réveillé avec moi. Darkito? D'habitude, il fait toujours du sport ici, et là, il est pas là. C'est vraiment bizarre. Oh, j'ai reçu une vidéo. Il est où? Bonjour, oui, alors je suis actuellement avec un loup-garou hyper méchant et il veut que vous lui envoyiez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour me libérer. Sinon, le loup-garou, il va être très, très méchant avec moi. Et puis voilà, s'il vous plaît, sauvez-moi, sauvez-moi, sauvez-moi. C'est bon, on a tout dit? Donc trois fois, ça veut dire non. Ok. Alors, vraiment, s'il vous plaît, sauvez-moi parce que non, le loup-garou, il va être vraiment méchant. C'est bon là, j'ai tout dit? D'accord, ok, bon bah c'est bon. On peut manger de la pizza? Vraiment bizarre cette histoire, apparemment. Loup-garou qui l'a? Oh non, c'est vrai qu'il y avait l'histoire avec le loup-garou à l'école! C'est pas lui quand même! Attendez, j'ai vu qu'en gros il y a de la verdure, donc il doit être... Il doit pas être très très loin, je pense. Il me faut... Une voiture, j'en ai une! Oh non, j'ai pas de voiture! C'est vrai, il a dû partir avec! Oh non, 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 non! Bon, heureusement, il y a un espèce de ranch à côté, une ferme. Je crois qu'il loue des chevaux et là, j'en ai besoin pour une journée, donc j'espère qu'il y en a des dispo et... Oh là là, là, j'espère que je vais le retrouver, surtout Darkito, mon amoureux, mais où est-ce qu'il est? Bon, du coup, monsieur le loup, franchement, vous êtes vraiment trop trop drôle, en fait. Parce que tu sais que des loups comme ça, j'en ai pas vu beaucoup. Et en plus de ça, je suis sûr que t'es en train de rigoler avec moi depuis le début et que tout ça, c'est une blague. Franchement, je suis sûr que c'est un prank, non? D'accord, mais... Non, mais c'est vraiment une blague, j'en suis sûr. Non, mais il faut me le dire maintenant si c'est vraiment une blague. Parce que sinon... Ok, j'étais sûr qu'on pouvait rigoler un petit peu quand même. Monsieur le loup, vous allez pas être méchant avec moi? On dirait un chien qui parle, là. Quoi, les menottes? Oh non, j'ai des menottes. Ok, bon, je dois aller où? Ça veut dire quoi, ça? Je vais me mettre contre l'arbre, d'accord, je pense que ça veut dire ça. Oh là là, je dois me mettre ici. D'accord, bon bah j'espère qu'on va me sauver. Oh non, ça devient vraiment n'importe quoi cette histoire. Je pensais qu'il rigolait avec moi le loup, je pensais qu'il était pas sérieux. Oh là là, c'est fou, il a vraiment envoyé cette vidéo à ma copine. Ah, j'ai vraiment peur. Oui monsieur le loup, qu'est-ce que vous allez faire? D'accord, ok, je sais pas ce que ça veut dire. Oh là là, j'ai vraiment peur. Ok, mais qu'est-ce que vous faites, c'est Doudours ça? Vous allez rien faire avec Doudours j'espère? Non, pas Doudours, vous allez rien lui faire. Qu'est-ce que vous allez lui faire quand même? Eh oh, ramenez-le moi, Doudours. Qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous allez? Non, 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 pas dans le feu. Oh non, il a tué Doudours. Il a fait brûler Doudours. Bon alors. Ah, je suis bientôt arrivée. Ah, c'est long à pied quand même. Bon, pourtant je vois pas de cheval. Ah, il doit y en avoir à l'intérieur. Enfin, j'espère. Je croise les doigts. Bon, parfait, allez, super. Direction, bah je sais pas trop où, hein. Je vais faire un petit tour, on va voir où est-ce qu'il peut être. Qu'est-ce que vous avez dans la main? Oh non, j'espère qu'il va pas jeter un truc important. Oh, qu'est-ce que ça pourrait être? Oh non, pas ma carte d'identité. Oh non, pas dans le feu, non. Oh non. Mon téléphone, rendez-moi mon téléphone. Pas dans le feu. Oh non, il jette tout dans le feu, il est tout en train de brûler mon téléphone. Oh non, 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 il a jeté mon téléphone dans le feu. Non, mais pourquoi vous faites de la guitare? Non, vous avez pas jeté la guitare dans le feu. Oh non. Il est en train de tout brûler, ma guitare, mon téléphone, ma carte d'identité. Et en plus, il a même jeté Doudours. Enfin, j'espère que c'était un faux Doudours, que c'était pas le vrai. Oh non, qu'est-ce que c'est? Vous avez pas jeté mon arrosoir quand même? Ah bah non, s'il jette l'arrosoir, il éteint le feu de toute façon. Oh non, il a jeté mon arrosoir. Et pourquoi il y a encore le feu? Oh non, il était peut-être vide, l'arrosoir, il était vide. Bon, allez, super, c'est un beau cheval, ça. Bon, je vais où? Allez, c'est pas grave, je vais avancer... Oh là, mais je sais même pas où est-ce que je vais. Darkito, c'est moi. Eh oh, t'es où, Darkito? Il y a personne qui me répond. Oh non, je vois pas où est-ce qu'il pourrait être. Darkito, réponds-moi. Je suis là, je t'ai entendu. Où est-ce qu'elle est? Je l'ai entendu, monsieur le loup. Sauvez-moi, s'il vous plaît. Je l'ai entendu, ma chérie. Oh non, monsieur le loup, s'il vous plaît. Non, mais ne venez pas là, pas comme ça. Quoi, il faut partir? Non, j'ai pas envie de partir, elle vient à peine d'arriver. Ah non, vous faites pas ça.
Oh non, non, monsieur le loup, je suis dans un caddie. Mais pourquoi il m'emmène dans un caddie? Il m'emmène où encore? Ça, c'est vraiment pas gentil, monsieur le loup. Franchement, faut pas faire des choses comme ça, parce que moi, là, je suis vraiment pas content. D'accord? Donc, s'il vous plaît, lâchez-moi, arrêtez ça. Oh là là, j'ai la tête qui tourne, vous savez même pas conduire un caddie. Non mais, monsieur le loup, ah oui, on va faire du toboggan, c'est trop bien, j'adore le toboggan, moi. S'il vous plaît, on peut faire le toboggan? Oh non, on peut pas faire le toboggan, s'il te plaît. S'il te plaît, moi, je veux faire le toboggan. Oh non. Ah, on va sur la montagne, c'est ça, en fait. Mais pourquoi tu me parles pas beaucoup? Il parle pas beaucoup, ce loup. C'est vraiment pas drôle. Oh non, monsieur loup! Oh non! Vous allez pas me jeter là? Monsieur loup, s'il vous plaît. Ne faites surtout pas ça. Ça, vraiment, je rigole pas. C'est vraiment pas gentil du tout. Ah, je crois que je l'ai entendu. Mon amoureux! Je vois du feu là-bas, c'est vraiment bizarre. Bon, je vais faire un petit tour. Qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, je vois rien. Oh non! Oh, le feu, il est là. C'est bizarre, il y a vraiment personne autour. Darkito! Oh, c'est bizarre, il y a sa cadence brûlée. Attendez, mais il vient d'avoir de la viande dessus. Normalement, je pense que il y a des gens pas très loin. Darkito, je sais que t'es pas très loin. Enfin, en tout cas, que t'étais pas là il y a très longtemps. T'es où? Oh non, il y a son téléphone. Je pourrais plus l'appeler. Bon, je vais regarder la vidéo quand même. Heureusement que j'ai enregistré. Oh non. Ça ressemble vraiment à ici. Ça veut dire qu'il a été là? Oh non. Bon, il faut vraiment que je le trouve. Allez, c'est reparti. Darkito, je sais que t'es là, réponds-moi. Eh oh? Bon, je vais aller voir sur la montagne. J'arrive, je viens te sauver. Darkito? Oh non, c'est le loup-garou. Faites rien, mon amoureux, faites rien. Pourquoi est-ce qu'il est dans le vide? Vous êtes complètement fou. Vous lâchez... Non, enfin, lâchez pas, non. Reculez. Eh oh, arrêtez. Sinon, je vous tue. Ouais, écoutez-la, s'il vous plaît, c'est important. D'accord, s'il vous plaît, non, aïe, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Oh non, j'ai rien vu venir. Monsieur, le loup-garou, ou l'animal, ou je sais pas, je vous ai dit que j'allais vous tuer, j'ai vraiment vous tuer, hein. Oh non, j'ai peur. Bon, allez, je vais remonter sur mon cheval. Viens, on va aller secourir Darkito, on va faire le tour. Pourquoi tu prends le toboggan? Mais ça va pas à la tête. Allez, hop là. On va faire tout le tour. Oh non. J'espère qu'il est pas... Non, il est pas quand même. Il est vivant, c'est obligé. Darkito, en plus, il est trop fort. Et puis, je peux pas vivre sans lui, moi. Bon, Chérie, t'es où? Oh, t'es là. Bouge pas. Enfin, de toute façon, tu peux pas bouger. Je vais te porter. Allez, voilà. Bon, t'inquiète pas, maintenant, t'es en sécurité, j'espère que tu m'entends. On va aller à l'hôpital, et j'espère qu'ils vont pouvoir te sauver, quoi, parce que moi, je t'aime, mais... Oh non, j'ai trop peur, je peux pas imaginer ça. Bon, allez, plus vite, au galop. Bon, on est bientôt arrivé, enfin, c'est bon. J'espère quand même qu'il va y avoir un médecin disponible. Allez, hop là. Et oh, il y a un médecin, il y a... Ah! Vous êtes là. En fait, il est tombé d'une montagne. Enfin, c'est un peu trop loin à cause d'un loup-garou, tout ça. Et après, je vous expliquerai plus tard. Et il faudrait le soigner, s'il vous plaît. Il faudrait le sauver. Je sais pas, il m'entend pas. Pardon? Oui, je sais qu'il est tombé de la montagne. Comment vous savez ça? C'est pas possible. J'étais toute seule sur la montagne. Bon, occupez-vous de lui, s'il vous plaît. J'ai trop peur. Bon, merci vraiment beaucoup d'avance. Moi, pour l'instant, je vais faire... je vais voir comment il va mon cheval. C'est quoi ça? Oh non. Oh non. Mon amoureux, je te récupère, ok, je vais te reporter. Je pense que t'es pas en sécurité ici. En fait, la fille là que tu vois, enfin tu la vois pas. Je crois que c'est le loup-garou qui t'a poussé de la montagne. Mais ça va pas te dire ça, n'importe quoi, c'est pas moi. En plus, comment pouvez-vous savoir que c'était moi? Moi j'ai rien fait, hein. Moi j'étais là mais j'ai rien fait. Oh là, c'est vraiment n'importe quoi cet hôpital. Je vais t'emmener. Bon, déjà, on monte sur le cheval. On va aller à la maison. Et puis, t'inquiète pas, tu vas te reposer. Je pense que ça va passer. Enfin, j'espère. Réveille-toi, s'il te plaît. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mal de partout. Mais je crois que ça va aller. Oh là là. C'est quoi cette sorte de loup-garou encore? Je comprends rien. Faut que je m'allonge. Faut que je me repose un peu. Et depuis quand t'as un cheval? T'inquiète pas, je vais t'expliquer tout ça quand tu seras à reposer. Hop là, j'ai fermé la porte. Et puis au moins, on est en sécurité. Et puis de toute façon, il y a quand même beaucoup de loups-garous. Bon, t'inquiète pas. Allez, hop là, allonge-toi. Bon, je pense qu'il faut que tu dormes. Et puis,
Je vais préparer à manger pour après. T'inquiète pas, ça va aller, mon amoureux, je t'aime. Oh non, non, c'est pas le médecin quand même. C'est quoi ça? Oh non, mais partez, 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 j'ai peur, j'ai peur. Pourquoi vous avez une hache? Oh non, 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 non. Ça va que j'ai une deuxième guitare ici, hop. Ah là, je sais de quoi elle a peur. Ce loup-garou, c'est sûr qu'ils ont peur de la musique, sinon elle aurait pas détruit cette guitare l'autre jour. Partez d'ici rapidement, ou sinon, je fais de la musique, et comme ça, vous allez plus être en loup-garou. Alors maintenant, partez. Je suis sûr que ça va marcher, je suis sûr que ça va marcher. Ok, pourquoi elle hésite, elle hésite, elle hésite, elle hésite. Oh, oh les amis, je crois qu'elle part. Oh là, elle a peur de la musique. C'est dingue quand même, parce que t'as même pas commencé à chanter, que déjà les gens, ils veulent pas t'entendre. Comme quoi, je pense que toute la ville est au courant que tu sais pas chanter du tout. Bah non, ça fait peur au loup-garou, la musique, je crois. Bon, même pour ça, on va acheter une musique pour la fin de la vidéo, regarde. Et Darkito, il a tué le loup-garou. Et Darkito, il est vraiment... Tais-toi, tais-toi, j'ai mal aux oreilles. Ah non, je vais pas me transformer en loup-garou. Non, je rigole, c'était une blague. Ah, sinon j'ai encore un peu mal à la tête, je vais me reposer sur le canapé. C'est vraiment n'importe quoi toute cette histoire. Bon, on est enfin débarrassé du loup-garou. Je pense qu'il va parvenir. J'espère quand même que Darkito, il va aller mieux. Bon, là je suis avec Mini Darkito. On n'a rien trouvé, hein, pour l'instant on n'a pas de nouvelles. Là on n'a aucune nouvelle, rien du tout. Il a disparu, il s'est fait kidnapper par le tueur. Mais où est-ce qu'il est passé? Où est-ce qu'il est passé, Darkito? En plus, peut-être que Minimis, elle est avec. Je sais pas du tout. Ah oui, c'est vrai, Minimis, elle a aussi disparu. Il y a Darkito et Minimis qui ont disparu, c'est vraiment horrible. Moi, je pense franchement que il devrait au moins nous aider à trouver, tu vois. Bah, tu sais quoi? Il faudrait que t'ailles voir l'agence secrète. Va voir l'agence secrète de Brook et demande-leur s'ils ont des infos. Et peut-être qu'on retrouvera Darkito. Oh oui, c'est une super bonne idée. Bon, je vais faire ça tout de suite. Oh là là, j'espère que je vais avoir des informations parce que franchement là, j'en ai marre, hein. Il a disparu comme ça et je le vois nulle part en plus de ça. Bon, l'agence secrète, où est-ce qu'elle est? Ah oui, il serait là-bas. Bon, j'espère qu'on va le retrouver super rapidement et que eux, ils ont plein d'informations qui vont pouvoir m'aider et tout. Bon, allez, hop là, on est arrivé. Passe par là. Bon, ok, il n'y a personne pour l'instant. Bonjour. Oui, bonjour. Quelqu'un va arriver. Dans 5 minutes, veuillez patienter. Merci de votre patience. Attendez, mon copain, il a disparu. Minimis, elle a disparu aussi. Oh là là, il y a tout le monde qui a disparu et j'ai aucune information. Je sais pas comment les trouver. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Aidez-moi quand même. Veuillez patienter, s'il vous plaît. Merci de votre patience. Oh là, vous m'énervez. Bon, ben, j'ai patienté. Alors, oui, j'ai que ça à faire. Quelqu'un est en train d'arriver. Il va vous aider à retrouver votre copain. En fait, votre copain est actuellement... Oui, actuellement, il est où? Actuellement, il est où, vous avez dit? Eh, mais répondez-moi. Monsieur Lavoie? Lavoie? Eh oh? C'est peut-être cassé. Oh, mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Vous êtes qui? Bonjour, moi c'est Bertrand. Alors en fait, le truc c'est que Darkito, tu sais où il est passé ou pas? Moi je sais, j'ai la réponse. Et en fait, il est avec Monsieur le Tueur. Et si tu veux, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a deux solutions. Soit il devient un tueur, soit il devient... je sais pas moi en fait. Mais je sais où il est, viens avec moi, suis-moi. Ok, bon ben, je vais vous suivre, hein. Attendez-moi. Non, non, il va trop vite pour moi. Bon, monsieur, alors vous avez dit que vous savez où est-ce qu'il est. Donc ça veut dire qu'il est vivant. Et mais il est où? Non mais je pense pas que Darkito, il aurait aimé cette idée, hein. Bon, apparemment j'ai pas trop le choix. Je vous laisse courir et puis, ben, vous savez quoi, c'est pas mal, au moins je marche pas. Il est passé où, du coup? Il est dans la maison de monsieur, tu sais, monsieur le truc, là, Brookhaven. Eh ben, il est là-bas, en fait. Faut qu'on aille le voir. Oui, ce serait bien d'aller le voir. Mais vous êtes sûr qu'il est là-bas? Parce que, franchement, c'est bizarre, quand même. Pensez qu'il est avec quelqu'un de méchant, quelqu'un qui lui veut du mal. Vous êtes vraiment sûr qu'il est là? Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a vraiment personne. Ça va être une maison totalement abandonnée. C'est bizarre. Vous êtes sûr que vous êtes vraiment un agent secret? Hein? Monsieur, répondez-moi, je suis pas très rassurée, là. Darkito? Darkito? Oh, vous aviez raison, il est vraiment là.
Il faut le sauver. Aidez-moi, s'il vous plaît, il faut le sauver. Darkito, je vais te sauver, t'inquiète pas, je suis là, d'accord? Mais Darkito, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'es ici? Mais dis-moi, raconte-moi tout, franchement. Oh non, me dis pas que... Il t'a pas fait venir ici aussi, le monsieur habillé en vert. Oh non, on est tous les deux là maintenant ici. Et il est en train de nous... Hé, monsieur! Oh mince, mais qu'est-ce que j'ai fait? Bah, moi je pensais que c'était quelqu'un de bien, Darkito, j'ai voulu venir te sauver. Maintenant on est coincé, il y a le tueur qui est là. Oh, Darkito, t'inquiète pas, tu sais quoi? Comme on dit, deux cerveaux, c'est mieux qu'un seul. Alors du coup, on va réussir à trouver une solution pour sortir, d'accord? Bon, alors moi j'ai une idée. Il faut crier. À l'aide! Bon, bah, déjà, apparemment, ça marche pas. Alors, qu'on casse une fenêtre. Oui, voilà, il faut qu'on casse une fenêtre. Allez, on casse une fenêtre. T'as pas un objet coupant? Un objet tranchant? Tu vois, quelque chose... ou, je sais pas moi, quelque chose qu'on pourrait... Hop là, envoyer sur la fenêtre, quoi. Non, quoi qu'il me fait peur, lui. Il veut pas partir et nous laisser tout seuls un peu. Darkito, vas-y. Aide-moi, s'il te plaît, aide-moi, il faut qu'on sorte de là. Tu sais, j'ai cherché toutes les solutions au monde, ça fait quand même 2 jours que je suis ici. Il n'y a pas de solution, il n'y a aucune solution. Tu sais quoi? On n'a qu'à attendre, tranquillement, que Mini Darkito nous sauve. Mais attends, mais si, c'est la solution. J'ai toujours mon téléphone sur moi. On peut appeler Mini Darkito et lui dire exactement où est-ce qu'on est. Et comme ça, il vient nous sauver. Et je lui dis de prendre un objet tranchant surtout, tu vois. Quelque chose pour se protéger, pour pouvoir nous sortir de cette maison. Parce qu'on est coincé. Ok, bon bah je vais l'appeler. Allô Mini Darkito, je sais pas si tu m'entends, mais c'est bon, j'ai trouvé Darkito. Est-ce qu'il va bien? Oui, il va bien, mais moi par contre, on va dire qu'on est un peu coincé, tu vois, dans une maison abandonnée tous les deux, et il y a le tueur devant, et il faudrait absolument que tu nous sauves, tu vois, que tu viennes avec quelque chose, voilà, oui, qui peut casser les vitres et qui en sorte que le tueur il ait un peu peur de toi aussi, quoi. Bon bah dépêche-toi, on est dans la maison de monsieur Brookhaven. Alors, dépêche-toi, parce que je sais pas s'il voudra nous garder en vie longtemps ici, hein. Bon, voilà, c'est fait, Darkito. T'inquiète pas. Maintenant, on peut respirer. Tu sais que Mini Darkito, il est vraiment super fort. Il va y arriver. Mais c'est peut-être déjà Mini Darkito. Mini Darkito, c'est toi. Tout là-haut. Oh, il a été vraiment super rapide. C'est bizarre. Mais par contre, dis-moi, Darkito, je t'ai pas posé une question. Mais elle est passée où, Miss... enfin, Mini Miss Darkito? Attends, on en parlera plus tard. Je vais monter. Hop là. Oh, oui! C'est bon, merci, Mini Darkito! Hé, Darkito, monte! On attend plus que toi! Bah, Mini Miss, attends, bah, je te raconte après l'histoire! Oh non, j'espère que ça va marcher! J'espère que le tueur, il nous verra pas! Allez, vite, Mini Darkito! Vite, accélère! Oh oui, c'est bon! Le tueur, il peut plus rien faire, il va croire qu'on est encore dedans! Vous savez que je suis pas assez sûre de ça, parce que quand même, bah, l'hélicoptère, il a fait beaucoup, beaucoup de bruit! Regardez, nous a vu! Mini Darkito, accélère! Oui! Bon, je pense que c'est bon. Là, il peut pas, il a beau courir, il est pas assez rapide pour ça. On devrait essayer de se mettre à l'abri dans une cachette. T'aurais pas un endroit un peu secret où personne pourrait nous trouver, Darkito? Ah mais c'est bien la montagne, c'est très bien, arrête-toi sur la montagne. On va rester sur la montagne, je pense que c'est une bonne idée. Ah ouais bah, oh non, c'est vrai que la montagne elle est creuse. Non, relève-toi, attention, Mini Darkito, qu'est-ce que t'as fait? Oh non, aïe, ouch. Oh là là, c'était vraiment un atterrissage horrible. Hé, hey, Darkito, sors-moi de là! À l'aide, Darkito! Je vais même pas aider, non mais c'est vraiment pas sympa! Bon, ok, donc là on est en sécurité. Ah oui, c'est vrai! Darkito! Dis-moi, Mini Miss, elle est passée où du coup? T'allais me le dire et tu me l'as pas dit finalement! Attends! Il y a un chemin secret par là-bas! Mais Darkito, tu veux pas aller voir? Peut-être que on retrouvera Mini Miss un autre jour! Elle est partie de toute façon. En fait, si vous voulez, je vous raconte tout ce qui s'est passé. En fait, dans sa voiture, je me suis pris la tête avec elle l'autre jour et elle m'a lâché sur la route. Et en fait, elle est partie, elle a dit sur New Haven ou un truc comme ça. Enfin, je sais plus sur quelle Haven elle est partie, mais elle est partie sur notre Haven. Et puis à ce moment-là, bah, je me suis fait mal à la tête et après, il y a Miss Darkito qui est arrivée, le tueur et bref. Enfin, bref, c'est pas le tueur, Mini Miss, c'est sûr. Allez, venez les amis, il y a une cachette. On va se cacher là-dedans. Mais si c'est pas Mini Miss, le tueur, mais c'est qui? Ok, bon, moi, je vais avancer ici. Darkito, quand même... Bah, c'est un truc de fou, cette histoire. Mini Miss, elle a encore abandonné Mini Darkito. T'es sûr que je rentre à l'intérieur? Ah oui, c'est bon. Oh non. Mini Darkito, je te vois plus. Je suis trop grande pour passer, moi. Crois qu'on a un gros problème. Mini Darkito, il a réussi à passer.
Mais non, on est trop grand pour passer. Mais Hidarkito, tu nous entends? Ouais, mais il fait un peu sombre à l'intérieur. Il fait vraiment très sombre, je vois rien. Oh non, on a coincé Mini Hidarkito dedans. Oh non. Oh non, non, comment on fait pour passer? Oh non, on est trop grand. On est trop grand pour passer. Bah, je pense, tu sais, que la seule solution, c'est de lancer une corde et de faire en sorte qu'il remonte, quoi. Parce que nous, de toute façon, on peut pas passer, donc il faut lui lancer un objet et qu'il attrape et qu'on le tire. Bonne idée, non? Fais ça, Hidarkito. Bah, il a qu'à sortir par lui-même, au pire. Comment on va faire? Ouais. Ah, mais il y a le sueur là-bas. On peut pas aller là-bas. Oh non. J'ai une idée. Mais Hidarkito, bouge pas! Ouais, quand je bouge, il fait vraiment tout noir et tout ici. J'ai trop peur. Ah, non, c'est n'importe quoi. Allez, sauvez-moi. Je suis coincée. Je suis vraiment tout coincée ici. Allez. Oh non. Oh non, non, non. Comment on va faire? Bon, bah, je crois que ce sera pour une prochaine vidéo, non? Qu'on le sauvera. Ah oui, pour une prochaine vidéo, t'imagines? Le sauvetage de Mini Hidarkito. Le méga sauvetage. Et toi, tu serais genre journaliste? Tu sais, genre tu prendras vidéo, tout ça. Ou sinon, c'est peut-être moi la journaliste. Enfin, je sais pas trop. En tout cas, contente de te retrouver, mon chéri, parce que tu m'as bien manqué. Oui, oui, les amis. Hidarkito a vraiment disparu. Je sais pas du tout où est-ce qu'il est passé, mais rappelez-vous qu'on était sur Springville. Et d'un coup, bah, on a pris l'avion et je l'ai perdu. Je l'ai perdu dans l'aéroport. Du coup, bah, je passe mon temps à le chercher, mais apparemment, pas de nouvelles. Bon, allez, c'est marqué Brookhaven. Attends, oh, laissez-les arriver. C'est bon. Mais attendez, elle vient pas de Brookhaven. Elle vient d'où? Elle vient de... Non, je sais même plus où elle est. Springville. Où est-ce que c'est marqué? Il n'y a pas Springville. Entends une voix, c'est qui? Oh, mais Hidarkito, j'ai jamais été aussi contente de te voir. Tu sais ce qui se passe? Eh ben, j'ai perdu Hidarkito dans l'aéroport et je sais pas d'où est-ce qu'il est passé. En tout cas, personne n'a su me renseigner. Donc, je pense qu'on va devoir se continuer ce tour du monde tous les deux. Enfin, si ça te dit, au moins on peut visiter Island Park, je crois que ça s'appelle. Hein? Quoi? Hidarkito a disparu? Mais attends, c'est sûr qu'il va forcément revenir sur ici, là, Island Park. Est-ce que c'est au moins que t'es là? Je crois pas, non. Enfin, on a pris le même billet, hein. Mais il est pas monté dans l'avion. Donc, j'en sais rien. En plus, il répond pas. Mais Hidarkito, je suis un peu inquiète, mais je pense que là, on va devoir se concentrer sur le fait de visiter Island Park. Et peut-être que je recevrai des nouvelles de la police, parce que je les ai contactées aussi. Ouais, bon. Police ou pas, tu sais quoi? Ce qu'il faut faire, c'est absolument prendre une voiture, déjà. Bon, ça va que j'avais déjà une voiture, moi, en fait. Ah, là, j'espère qu'on va le retrouver, qu'il est pas mort. Oh, non, 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 non. Bon. Heureusement, j'ai mon petit bolide. Il est super beau en plus. Bon, c'est vrai que je veux pas trop l'inquiéter, mais même moi, je suis vraiment super inquiète. Je pense qu'on réussira à le retrouver, mais peut-être qu'il est, je sais pas moi, dans cette ville, non? Puisqu'il avait le même billet d'avion que moi. Ouais, il doit forcément être dans cette ville. Bon, tu sais quoi? Dans un premier temps, faut vraiment qu'on aille à un endroit super important sur Island Park. D'ailleurs, je sais pas si tu connais Island Park, mais c'est vraiment super sympa comme endroit. Non, non, je connais pas du tout, mais en tout cas, l'architecture a l'air incroyable. Oh, waouh, attends, il y a plein de sculptures, Oh mais même les parkings, ils sont déjà super beaux. Mais Hidarkito, je sais pas par où commencer. Limite le cinéma, là, il me fait de l'œil. Ensuite, là, je me dis, oh, un hélicoptère. Mais c'est quoi? C'est des restaurants. Oh, attends, stop. Moi, je veux trop aller à la boulangerie. Regarde, il y a une boulangerie derrière. J'espère qu'ils font des croissants et des pains au chocolat. Attends, on va se garer et... attends, je vais faire un tour, tu veux, tu m'attends ici. Oh, les amis, regardez, il y a une boulangerie. Elle est beaucoup plus belle que toutes les boulangeries que j'ai vues dans la réalité. Bon, même si on dirait un peu en fast-food vu comme ça. En tout cas, il y a des gâteaux au chocolat, il y a même des espèces de... Oh, regardez, on dirait un peu la pâtisserie en Italie, là, où ils mettent genre de la crème dedans, là. Enfin, je connais pas du tout, j'aime pas du tout non plus, mais... Il y a des trucs sympas. Oh, des cookies! Bon, je peux même pas les prendre. Apparemment, il n'y a pas de croissant, ils connaissent pas ça ici. Ah oh, si, regardez, c'est bon, j'ai pris un cookie. Bon, bah, je vais le prendre pour Hidarkito et au moins, bah, je vais lui offrir, hein, il va être content, je pense. Mais Hidarkito, j'ai trouvé un cookie pour toi. Cette boulangerie était vraiment trop bien. Maintenant, ils vendaient pas non plus beaucoup de choses, hein. Ouais, toi, j'ai compris tes priorités. Hidarkito, il disparaît, toi, tu préfères acheter des cookies. C'est pas grave, c'est quoi? Attends, moi, je vais aller à une maison, je vais prendre une maison et je vais... Oh, mais Hidarkito, attends. Mais fais demi-tour, attends, t'as pas vu le truc qu'il y avait sur le côté, là? Allez, recule. Et je vais te montrer. Regarde, allez, vas-y, recule encore. Dépêche-toi, mais un peu plus vite, je sais pas, moi. Allez. Attends, de l'autre côté. Oh, regarde, il y a Zephora. Attends, je suis une fille, donc forcément, on va y aller. Moi, j'aime trop ça. Bon, tu m'attends là, ok? Et je suis pas sûre de revenir encore avec des Robux. Donc, si on a plus d'argent, c'est toi qui paye tout. Hein.
Oh les amis, regardez ce qu'il y a ici. Il y a toutes nos marques préférées. Enfin, c'est un peu copié quand même, mais oh, il y a du maquillage partout. J'ai envie de tout acheter. Oui, oui, j'ai vraiment envie de tout acheter là. Un bar à ongles, il y a tout, il y a pour se maquiller. Oh, je pourrais vraiment passer des heures ici. D'ailleurs, je crois que c'est ce que je vais faire, je vais rester là. Bon, elle m'a saoulée celle-là. Franchement, ça va être trop dur d'être avec une fille, de vivre avec. Oh là là, elle est assez Sephora et compagnie, mais il faut être complètement... Ah là, j'en ai marre, moi. Bon, cette maison, qu'est-ce qu'elle donne, cette maison? Oh là là, oh, un grand parking. Un énorme parking pour la voiture, ça c'est cool. Il y a même un ascenseur, franchement. Si on a la flemme de monter les escaliers comme moi, vu que je suis tout petit comme un sandwich, eh ben franchement, je vais pouvoir monter avec l'ascenseur, ça c'est trop cool. Waouh, bah, c'est canon ici. Attendez, il y a quoi comme programme en ce moment à la télé? Oh, oh, le bandit va... Allez, hop, allez, frappe-le, frappe-le. Oh non, non, les méchants, ils vont gagner. Ah, breaking news. Et de quoi ils parlent? Mais où est-il passé encore? Darkitour aura forcément disparu, mais où est-il? Sur quel jeu? Ça, on n'en sait absolument rien. Alors restez informés, parce que peut-être que Darkitour est mort. Hein? Darkitour mort? Non, 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 je peux pas y croire. Darkitour est mort? Non, il est pas mort, c'est une question, c'est une réponse, c'est une affirmation, j'en sais rien, moi. Faut que j'aille voir à la télévision. C'est qui ce monsieur? Il en sait plus que moi. Bon. Vous savez quoi? Cette maison, elle est cool. Miss Darkito a forcément... Oh, elle viendra ici. On peut même faire du mixage DJ et tout. Musique, DJ, mets-le son. Yeah! Wouhou! Bon, quand même, Darkito, il est mort. Donc moi, je vais y aller. Et je vais quand même aller voir ce monsieur. Parce que ce monsieur, il m'intrigue énormément. J'espère que les studios de télévision, ils sont ouverts. Parce que faut que j'aille répondre à cette interview. Faut que j'aille faire un truc. Faut que j'aille dire que non, il est pas mort. Peut-être qu'il est parti sur Liftopia, qui sait. Bon, ça c'est peut-être une bêtise encore que je vais raconter. Mais j'ai pas envie que tout le monde dise que Darkito il est mort alors que c'est fou, il est pas mort parce que Darkito c'est un super héros. Eh oh! Personne veut s'arrêter? Oh, mais Darkito il m'a abandonné ici, je suis obligée de faire du stop. Et en plus de ça, il y a aucune voiture qui passe. J'ai vraiment pas de chance. Comment je vais faire? En plus, je connais pas tout cette ville. Il est mort, il est mort, il est mort. Il est forcément mort, il est pas mort. Non, 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 il peut pas être mort. Oh bah, mais Darkito vient! Darkito il est mort! Mais Darkito c'est toi? Oh super, j'ai eu trop peur de finir sur un mec un peu bizarre. Parce qu'en fait j'étais en train de faire du stop vu que t'es parti quoi. Non, 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 t'inquiète pas, j'ai juste allé te prendre la maison de vacances. Mais attends, Darkito il est peut-être mort, il faut qu'on aille voir quelqu'un. Peut-être qu'on... C'est où les studios de télévision? Faut qu'on fasse vraiment le tour de toute la ville, qu'on trouve où est-ce que c'est ces studios de télévision. Je veux pas partir de ton côté, je pars de mon côté. Non, non, on va pas commencer à se diviser. Déjà qu'on a perdu Darkito, on va pas se perdre tous les deux. Moi je pense que Darkito il est pas mort. Parce que c'est pas la première fois qu'il disparaît. Et à chaque fois il réapparaît comme ça, on sait même pas comment. Du coup je propose qu'on profite tranquillement de nos vacances. Et il va finir par réapparaître. Je croise les doigts. Attends, si Darkito il meurt, la team Kito, qu'est-ce que devient? Et on l'appellerait la team Mini Darkito ou la team Miss Darkito? Mais je te dis qu'il est pas mort. Allez, on va dans cette maison et on va regarder ce qu'on peut faire. Ou peut-être sinon on a qu'à aller manger une pizza. Ou aller chez le coiffeur. Ou aller au cinéma. Tu veux aller où? Je veux aller parler à ce monsieur, peut-être qu'il m'a dit qu'il était mort. Bon, tu sais quoi? Tu sais ce qu'on va faire, hein? Regarde. Toi, tu vas aller à la maison de vacances et moi, je vais aller chercher Darkito. Très bonne idée, au moins je vais pouvoir prendre un petit bain ou prendre un bain dans la piscine. Trop bien. Allez, les amis, moi j'ai jamais vu cette maison, on va un peu la visiter ensemble. Alors ici? Bah attendez, je rêve ou quoi? C'est une indépendance. Oh, ça c'est génial. Mais ça sert à rien, par contre, strictement rien dans notre cas. En tout cas, attendez, mais pourquoi il y a musique à fond ici? Il y a quelqu'un? Eh oh, il y a quelqu'un? Mais... Bon, quelqu'un a dû laisser ça allumé. Allez, on s'ambiance et on s'ambiance. En tout cas, pas mal la musique, hein. Bon, il manque un peu des gens autour de la piscine, ce serait pas mal. Allez, les amis, attendez, mais elles sont les chambres. Les chambres, elles sont ouf. Du coup, là, c'est le salon. Là, oh, attendez, il y a encore un étage. J'ai même pas vu qu'il y avait un ascenseur. C'est fou, quand même. Et là, oh. Ah bah non, elle est nulle, cette chambre. Non, non, je l'aime pas du tout. J'espère qu'il y en a une mieux que ça. Salle de bain, même pas de baignoire. Je suis dégoûtée. Et là? Bon, attendez, là, c'est carrément deux lits simples. Bon, après, c'est pas mal avec Midarkito, hein, parce qu'on n'est pas en couple. Du coup, elle peut être pas mal, cette chambre. Même si là, je suis un peu... Oh, enfin, la chambre que je voulais. C'était vraiment la chambre là, de mes rêves. Elle est trop belle, elle est super grande. Et en plus, il y a une baignoire. Bon, j'avoue, on aurait pu trouver mieux comme maison, mais celle-ci, elle me plaît bien. Allez, moi, je vais me détendre tranquillement dans le bain pour l'instant que Midarkito est en train de paniquer pour rien du tout. Darkito! Darkito! Oh non! La chambre... Mini Darkito, oh, ça peut être cool en vrai. Ça serait plus la team Kito, ce serait la team Mini Kito. Oh, c'est trop drôle en vrai. Et attends, mais qui ferait les secrets du coup? Quel youtubeur je vais suivre pour les secrets maintenant? De toute façon, c'est le seul youtubeur en France à faire des secrets. Non mais,
S'il n'existe plus, il n'y a plus personne qui fait des secrets sur Brookhaven. Comment je vais faire? Qui je vais suivre, moi? Il n'y a plus personne qui fait des secrets à part Darkito. En plus, c'est le boss des secrets de tout YouTube. Bon, forcément, il faut forcément le retrouver, là. Peut-être qu'il est à l'hôpital. On va aller voir l'hôpital. Hôpital de la Miséricorde. Il fait vraiment flipper, ce nom. Bon, j'espère qu'il n'est pas là-dedans. Darkito! Darkito, bon. Il n'y a personne dans l'hôpital, là, c'est rassurant. De dire que personne n'est malade, ça, c'est pas mal. En fait, finalement, on vit peut-être bien ici, sur Island Park. Peut-être que les gens, ils sont jamais malades ici. C'est une bonne nouvelle, en fait. Les urgences, personne. Mais attendez, Darkito, il est pas là. Peut-être qu'il est à la maternité. Maternité, Darkito, t'es là? C'est qui, lui? Mais c'est qui, toi? T'es qui? T'es pas Darkito, toi? Oh non, mais qu'est-ce que je fais avec un bébé dans les mains? Attends, je le repose, quand même. C'est bizarre, attendez, il est tout seul, ce bébé. Attendez, je vais le ramener. Quand même le ramener à la maison, parce qu'il n'y a personne ici qui s'en occupe. Moi, je vais très bien m'en occuper. C'est certain. Et puis, Miss Darkito, elle serait contente d'avoir un bébé. Bon, je vais lui ramener un bébé. Elle va être super contente. Elle a toujours voulu un bébé. Elle m'a toujours dit, ouais, moi, avec Darkito, on va un bébé. Bah, voilà, un petit cadeau. C'est cool. En plus, c'est bientôt son anniversaire, donc, un bébé, c'est cool. Allez, hop, là. En plus, ça lui fera oublier, forcément, ça lui fera oublier Darkito. Maintenant qu'il est mort. Enfin, peut-être qu'il est mort. Enfin, on sait pas quoi. Peut-être que ça lui fera oublier Darkito. Bon, on va lui ramener le bébé. Il est bizarre, ce bébé, il fait un bruit bizarre. Je suis même pas sûr que ce soit un bébé réel. Bizarre, ce bruit. Bon, je vais t'appeler. Bon, comment je pourrais t'appeler? Je sais pas, j'ai pas des idées. Je vais demander à Miss Darkito. Miss Darkito, t'as une idée pour le nom? Oh non, mais elle est où, est-ce qu'elle est? Bon, je suis sûr qu'elle a pris la plus grande chambre, c'est certain. Miss Darkito! Me dis pas que t'es dans le bain. C'est quoi ce bruit là? J'entends. Mais attends, c'est pas un bébé quand même? Miss Darkito? Mais c'est quoi? C'est quoi ça? Surprise! Bah, vu que Darkito il est peut-être mort, je me suis dit que vu que j'ai trouvé un bébé à la maternité, je me suis dit que peut-être que toi tu t'en occuperais bien. Surtout qu'il y avait personne. Il était dans genre un espèce de truc avec une lumière au-dessus de lui. Tu sais, genre en mode comme s'il venait de naître quoi. Enfin, je sais pas qu'il vient de naître. Et il y avait personne autour de lui. Et genre les gens qui s'occupaient de l'hôpital ils étaient dans d'autres pièces. Ils peuvent pas laisser un bébé sans surveillance. Tu t'es fait avoir, Miss Darkito! C'est pas un bébé, regarde, c'est un bébé réaliste. En fait, c'est fait exprès pour quand les femmes, en gros, ben, elles ont leur bébé, on leur explique comment on les lave et tout ça. Sur des bébés en caoutchouc. C'est pour ça qu'ils braillent bizarrement, regarde-le. Wouah! Wouah! Attends, je vais cliquer sur le bouton. Il y a un bouton? Mais c'est bizarre, il y a un bouton, t'as raison. Veuillez réinitialiser le système du bébé version 92502 bêta test. Wouah! Mais c'est bizarre, attendez, bon. Trop bizarre, je vais le poser ici. C'est pas un vrai bébé. Bon, et Darkito, on en fait quoi? Bah écoute, moi je propose qu'on se repose ici et que demain on aille voir potentiellement sur Liftopia, voir s'il est pas là-bas. Mais c'est quand même un peu bizarre, je pense qu'il a loupé son vol. Bon, mais Darkito, en tout cas, moi ça me saoule tellement que je mets l'oreiller sur ma tête et j'ai pas envie de réfléchir à ça. Hein. Ouais, bizarre. Bon, allez, bonne nuit. Je te ferme les volets, je t'éteins tout. Bonne nuit, je te fais un petit bisou sur le front. Allez hop. Mais ça va pas? Mais Darkito! On n'est pas en couple, je te rappelle. Ah là, et cette musique, elle est vraiment super forte. En plus, elle est nulle, cette musique, allez. J'ai la musique. Ah, super, ça fait du bien. Bon, moi, je crois que je suis vraiment paniquée, là. Darkito, où est-ce que t'es? S'il te plaît, reviens à la vie. Reviens. Ah, j'ai une idée. J'ai pas été voir là-bas. Allez, direction le cimetière. Oh, j'espère qu'il est pas là. Qu'est-ce que c'est que ça? Le roi des secrets. Non, je peux pas y croire. Il y a le roi des secrets, c'est qui le roi des secrets? Il n'est pas là-dedans, non mais... Pas possible. Oh non. Là, je sais pas où je vais. Bon, j'y vais quand même. Allez, le roi des... Bah non, mais... Island Park. Bah non, c'est pas le roi des secrets, ça. C'était un secret, ça. Mais dites pas que c'est moi le roi des secrets et que... Oh non, je vais mourir ici.